Da anni Bracco investe sul futuro dei giovani per gettare le fondamenta di una società migliore. Per questo dal 2005 sosteniamo la costruzione e lo sviluppo del Collegio Fulvio Bracco in Benin, uno dei paesi più poveri dell'Africa. 9 anni fa il college ospitava solo 50 alunni, oggi prepara quasi 800 ragazzi e ragazze all'accesso universitario. Il Collegio Fulvio Bracco è diventato un punto di riferimento determinante e i ragazzi sono diventati i veri protagonisti dello sviluppo e della crescita dell'intero territorio. Sandra Zulkaneri, ici élève en classe de 3e. Je suis né en 1er janvier 1988 à Bandissa. Mon père est mort et je suis avec mon frère. Ma maman aussi n'est plus avec moi. Quand je me réveille, je prends un seau d'eau et je vais dans la douche pour me tousser. Après avoir me toussé, je prends ma pâte et mon brosser pour brosser mes dents. Après avoir brossé mes dents, je vais dans la chambre, je prends mon kaki, je porte et je me prépare pour aller à l'école. En plus, je prends mon sac et je continue pour l'école. Avant, mes frères quittait pour aller à Djougou avant de continuer les cours. Et après avoir fait CM2, en 6e, ils doivent aller à Djougou avant de continuer. Maintenant, comme il y a le collège à Baré, donc ça me facilite. Après avoir pris mon sac, c'est directement à Baré et je reviens là. Pour aller à Baré, si c'est à pied, il faut au moins 45 minutes. Mais si c'est à vélo, avec 20 minutes, on est déjà là-bas. Notre collège est créé depuis 2005. Actuellement, il a un effectif total de 749 élèves, dont 319 filles et 430 garçons. Ces élèves, qui sont constitués des fils de l'arrondissement, proviennent des différents villages qui entourent l'arrondissement de Baré, entre autres les villages environnants de Manessa, de Serra, de Funda, de Dangoussa, etc. Il y a de cela, disons, 8 ans que le collège est créé. Bien avant sa création, figurez-vous que tous les enfants de Baré, de l'arrondissement de Baré, de tous les villages environnants, allaient à Djougou, qui est à 12 km environ d'ici, pour l'école. Quand on va au CG, c'est là où on rencontre des difficultés. Aller louer une chambre à Djougou, c'est un grand travail pour nous. Maintenant, aujourd'hui, avec Fulvio Bracco et son coopératif, vraiment, nous avons eu un CG à Baré que nous fréquentons tranquillement aujourd'hui sans louer. Bon, les enfants vont au CG, ils viennent dormir ensemble avec nous, les parents. Vraiment, nous sommes très contents de Fulvio Bracco avec son une équipe. Ça a permis les enfants, à cause de CG maintenant, l'exode a déjà freiné. Les enfants ont déjà compris, entre ils parlent qu'il faut aller à l'école. Il ne faut plus aller à l'exode. Trafic d'enfants, c'est fini. À cause de CG, nos enfants ne vont plus au Nigeria. Pour aller faire le travail forcé, voilà encore un autre avantage. Un CG qui est en partenariat avec les amis italiens. Il est composé essentiellement de 4 modules de classe, un bâtiment pour le laboratoire et un autre bloc administratif. Good morning, class. Good morning. the simple present of the auxiliary to be. We have the affirmative form, the negative form, and the interrogative form, okay? Okay. Am, you, iri. Is it correct? Yes. Clap a hand for her. On a des matières littéraires, à savoir l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français. Le français, comme au Bénin ici, c'est notre langue officielle. Parce qu'il y a plusieurs ethnies, on ne se comprend pas. Il peut y avoir des villages qui sont à 1-2 km qui ne se comprennent pas. Parce que chaque village a son dialecte. Mais c'est par le français qu'on arrive à se communiquer. Donc ça permet le développement. Parce que par là, les gens arrivent à commercialiser les femmes, même qui sont analphabètes, avec le français, les petits français qui comprennent, arrivent à commercialiser, à faire les comptes. Donc les élèves aujourd'hui aident les mamans, les parents pour amener des petits commerces. Et quand il y a un étranger qui vient, ils appellent les enfants qui vont traduire. Bon, quand on a dit ce qu'on est, la tournera pour la water. Bon, le fait que je parle français, le changement est que aujourd'hui, si comme vous êtes venus, moi je peux parler français avec vous, c'est un avantage. Bon, ou bien si c'est quelqu'un qui vient, je peux ce qu'ils veulent, je peux expliquer. Par ailleurs, on a une autre grande branche d'enseignement, c'est les matières scientifiques. Les matières enseignées ici au collège sont en l'occurrence les mathématiques, et les sciences physiques et la SVT, c'est-à-dire la science de la vie et de la terre. Bon, nous avons demandé la concession des laboratoires parce que le laboratoire nous permet aux élèves d'avoir des connaissances. Maintenant, par rapport aux avantages, les avantages de ce laboratoire, ça va permettre aux élèves de poursuivre aussi leurs études universitaires. Il faut aussi noter qu'en dehors des cours que les élèves reçoivent en classe, ils ne manquent pas aussi à exécuter certaines activités au terrain. Ces activités sont telles que le jeu de football, de handball, de volleyball, les gymnastiques et aussi la lutte traditionnelle. Le terrain de sport se trouve au sud du CG Baré. Notre collège, on l'a construit, a eu la volonté de nous développer nous-mêmes parce que nous savons que l'instruction, c'est par là que passe le développement. Et notre école était à Banco. Nous avons eu, depuis qu'ils sont arrivés ici, nous avons construit des maisons bien équipées. Nos enfants ont été à l'école. On est content d'avoir l'école ici parce que ça crée le développement du milieu. Les enfants s'instruisent et nous sommes sûrs, à l'allure où nous allons maintenant, nous sommes sûrs d'ici quelques années, nous aurons des hauts cadres. Le changement est total et c'est ça qui réjouit tout le monde. Même ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas réussir là, aujourd'hui, leurs enfants sont ici. Et ça a beaucoup de changements dans les familles parce que les gens sont en train de comprendre maintenant que l'éducation c'est quelque chose, c'est la base de toute chose. L'une est à savoir que les filles constituent la grande majorité des populations et donc il est très nécessaire d'encourager les filles dans l'école. Et donc on a mis des objectifs en place et des moyens en place pour encourager leur éducation et leur instruction à l'école afin que nous puissions tirer grand profit de leur éducation. Puisque, comme on le dit, une fille instruite, c'est vraiment une nation qui en bénéficie. L'État même a mis une grande partie de son budget au niveau des filles pour les amener à s'émanciper. Parce qu'avant, si vous êtes 6 filles et un garçon, on préfère mettre le seul garçon là à l'école et laisser la fille. Pourquoi? Parce que la fille était faite pour le ménage, c'est tout. L'État est en train de pousser les gens à envoyer les filles, plus de filles à l'école. Ça fait qu'il n'y a pas d'exclusion au niveau des filles. On a supprimé leurs contributions. Une fille élève qui vient à l'école ici, par exemple au collège ici, elle ne paye rien. Le collège, depuis sa création, a eu un partenariat avec le centre de santé, le dispensaire de Baré, qui, de façon périodique, envoie ses agents, le médecin-chef et l'infirmière, pour de temps en temps sensibiliser les élèves sur leur comportement sexuel, surtout les filles, parce que beaucoup de filles tombent enceintes au cours de l'année, cela pénalise beaucoup leur éducation. Et par ailleurs, une autre équipe, envoyée toujours par le centre de santé, vient sensibiliser les élèves sur l'hygiène, c'est-à-dire le comportement hygiénique que l'élève doit avoir pour éviter de ne pas se donner des maladies par son comportement de malpropreté. Avant, on souffrait des tas de maladies, mais aujourd'hui, ils nous ont aidés, ils nous ont fait des sensibilisations que nous pratiquons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes tranquilles et on a compris qu'avec l'éducation, ça peut nous amener loin. Sans l'éducation, ça ne peut pas aller. Le collège aussi, avec l'appui de Fulvio Bracco, a bénéficié d'un puits. Un puits qui est à 5 mètres, disons, du laboratoire. Et ce puits, vraiment, a été d'un grand apport pour les élèves. Parce qu'entre-temps, avant l'avènement de ce puits, les élèves ne perdaient pas le temps pour aller directement dans les bas-fonds, dans le marigot à côté, pour aller chercher de l'eau à boire. La tradition reste la tradition. Quand il faut la faire, on la fait. Mais l'école, elle est obligatoire. Il n'y a pas de dérangement entre l'éducation et la tradition. Chacun évolue normalement. Et priorité à l'éducation. L'institution, elle est obligatoire. Non seulement que l'État oblige les gens maintenant à aller à l'école, mais chaque parent maintenant, même celui qui n'est pas instruit, connaît que c'est par l'institution qu'on arrive à développer un pays. Un pays où il n'y a pas d'instruit. Je ne sais pas. Ça là, c'est comme une chambre où il n'y a pas de lumière. Et c'est ça le théâtre qu'on a en Afrique. Parce que nous tous, on était tous développés. L'Afrique ne serait plus aujourd'hui là où elle est. Nous avons des rêves sur nos enfants pour que tous les enfants aillent à l'école. Je préfère être une femme pour soigner les malades, pour pouvoir gagner quelque chose dans la vie. Quand je serai grand, je veux être un site touristique, oui, pour aller en ville, pour bien observer des choses. Et après, je vais revenir pour faire des histoires de là-bas. C'est ce que je veux être. Je vais être une maîtresse pour enseigner les enfants. Donc ça, c'est là que je dirais que je vais même remercier Amici dell'Africa et Bracco. Parce que ce collège, je vais dire, à partir après Djougou jusqu'où, il n'y a pas un beau collège comme celui-ci. Après avoir terminé, moi je souhaite être un journaliste. Parce que quand je vois les journalistes, je me sens bien. C'est mon rêve. C'est pourquoi j'aime ça.